à la mort du président, il y avait beaucoup de discussions et de conciliabiles entre les personnalités, entre les fondateurs du MPS également. Mais très vite, on s'est rendu compte que nous, en tant que fondateurs, on n'a pas de rôle à jouer. Moi, personnellement, je n'avais aucun titre, ni au niveau du MPS, ni au niveau de l'État. Et les discussions se sont centrées et recentrées autour de la famille, autour du clan. J'ai tenté de faire passer certaines idées, je n'ai pas pu, et donc j'ai choisi plutôt de ne pas être présent, ou de ne pas être, j'ai choisi de ne pas être dans le système. Je serais plus utile de l'extérieur. Vous avez vu aussi que j'avais aussi refusé de participer au congrès, que je considère jusqu'à maintenant illégal. J'avais donné des conditions à ceux qui m'écoutaient. À un moment donné, et je crois jusqu'à là, il y a une partie de l'opposition, des hommes politiques qui justifient leur position ou leur soutien au vrai faux poutiste, hein, ils ne veulent pas laisser le pays sombrer dans l'abîme.